We have defeated Kaupi, bringing our long conflict with Wei to an end. All that remains now is to clean up what's left of Shu, and the Age of Wu will begin. Unfortunately, Shu has unexpectedly rebounded under the guidance of Zhuge Liang. Their defenses are strong, and they will be ready for our attack. Then again, I guess the final battle wouldn't be any fun if it wasn't a challenge. My family has fought hard to make it this far, and we won't give up until the entire land is ours. The day to attack Shu has finally come. The Three Kingdoms strategy devised by Master Zhuge Liang shall end in victory for you, my lord. My lord, you must defend our center. Both flanks of our army shall surround the enemy, and when our rear guard comes forward, wipe them out. The battle shall take place at Baidu Castle. The enemy commander is Liu Chan. Unlike his father Liu Bei, he has no ability to rule the land. Now it is time to put an end to Shu and give the land to Wu. La bataille du château de Baidi. Cette fois-ci, c'est la bataille finale. La bataille finale contre le Shu, mais aussi la bataille finale de l'histoire de Sun Jian. Nous allons affronter ce qui reste de l'empire du Shu, qui finalement a réussi à renforcer ses défenses de manière inattendue. Donc ce sera quand même un petit challenge pour terminer. Liu Chan n'est pas dangereux en soi, mais ses officiers, notamment Zhuge Liang, sont dangereux. Nous avons pour objectif de vaincre Liu Chan. Nous perdrons si Sun Jian est vaincu. Avec nous, Sun Jian, Sun Quan, Zhuge Jin, Luxun, Wang Gai, Quanzong, Zhu Wan, Zhu Tai, Xu Sheng, Zhu Ran. Contre nous, Liu Chan, Jiang Wan, Fei Yi, Yang Yi, Ma Chao, Ma Dai, Wang Zong, Wang Ping, Yan Yan, Jiang Wei, Li Yan, Gao Xiong, Xing Kai, Zhang Bao, Zhang Yi, Guan Xing, Guan Suo, Liao Hua. Nous avons acculé le Shu au château de Baidi. Si nous battons leur chef Liu Chan, le pays appartiendra au Wu. Luxun élabore un plan pour encercler le château de Baidi et éliminer le Shu. Alors nous écouterons la stratégie de notre stratège Luxun. C'est parti pour la bataille du château de Baidi. This battle will end the chaos. What happens after that? Is up to you. You must surpass the likes of Liu Bei and I. Yes, father. I promise. Good. But for now, let us fight side by side. This battle shall win the whole land for Wu. We'll surround Baidi Castle. The main army shall protect the center. Wang Gai will begin encirclement from the left flank, while Zhou Tai secures a space for our reinforcements on the right. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Sun Jian? This is our country, and we'll defend it ourselves. Qu'est-ce que ça veut dire, Sun Jian? Est-ce que ça veut dire que tu comptes prendre ta retraite une fois cette bataille terminée? T'as combattu pendant des années et des années pour ne même pas diriger sur le pays, pour ne même pas profiter de la paix que tu as instaurée. C'est quand même dommage. Ok, en avant. Des paysans. Pourquoi êtes-vous ainsi harnachés?
Wu would attack even the innocent. Les innocents, comme tu dis, Ma Chao m'attaque l'arme à la main. Je ne fais que me défendre face à eux. Putain de pezzouille. Ok, on avance. Wang Zong. If I defeat you, I have made a hero. Tu vas juste mourir au combat, Wang Zong. Ça devrait pas te déplaire en tant que guerrier. Such good fortune. Fear the tiger of Xiangdong. Okay. Juste retourner un petit peu par ici. Histoire déjà de récupérer mon cheval. Mais je veux aussi anticiper le mouvement d'un enculé. Il devrait pas tarder, mais bon. Ça me fait chier de l'attendre ici pendant 3 heures. Ce serait bien qu'il arrive assez rapidement. Sinon je peux aller des Zutai en attendant. Hein. Je sais pas si j'aurais trop le temps d'aller l'aider, mais bon. Il y a des pezzouilles ici aussi. Blade will make you pay for your injustice. Le voilà. Ma Chao, j'arrive. The enemy is formidable. Tu ne toucheras pas mon fils. My spear will run right through to your soul. Beast of Xiliang, have you sharpened your fangs? Fangs are for the weak.
I fight with this, the spear of justice, forged in the fires of virtue. It's my blade. La bête du Xiliang. C'est vrai qu'il a ce surnom là aussi. The sharp edge of justice. Même pas de phrase de mort. Genre Macho il meurt mais sans phrase de mort. C'est triste ça. Ouais, il s'est fait oblitérer, il a pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Bon, ce bastion derrière nous est quand même gênant. Je vais le prendre. Bien. Allez, direction le nord-ouest, dans un premier temps. Ah, Wangai, ça fait des années qu'on se bat ensemble. Profitons de cette dernière bataille. Évite de balancer des bombes sur nos alliés par contre. Ça c'est vraiment une mauvaise habitude que t'as depuis le début. Allez, prenons le contrôle de ce bastion. Allez, je vous laisse vous occuper des derniers troufions, je commence à avancer un peu moi. On va prendre cette base de ravitaillement déjà. Quickly, secure the position for our reinforcements. La position là-bas, c'est vachement loin, dommage. J'aurais bien voulu le faire, mais je suis un peu à l'autre bout, moi. Zutai, tu peux faire ça ou pas? Ce serait bien que Zutai puisse le faire. Parce que moi, si je dois aller jusque littéralement l'autre bout de la map, sans être vraiment certain de pouvoir arriver à temps, c'est un peu chaud quand même. Putain d'archer. Bon, je
je pourrais passer par le labyrinthe des sentinelles de pierre. Ou je vais aider Zutai. Je ferais mieux d'écouter le plan de Luxun. De toute façon, hein, faut faire les choses correctement, c'est notre bataille finale. Je vais essayer de foncer. Sacrée distance quand même. Zutai en fait, ah d'accord, c'est que Zutai il est pas vraiment retourné à l'assaut du sud. Il aurait dû. C'est juste les sous-officiers qui s'en occupent. Et du coup. Solidify our defenses and prepare for the enemy attack. Tu fais chier, Liaou. Allez, en avant. They're trying to take the base. Stop them. Bien. J'ai sécurisé le point de rendez-vous des renforts. If they're so eager to die, then you'll be happy to live life. L'unité de Zutai attend. Elle attend quoi? Qu'est-ce qu'elle attend, l'unité de Zutai? Madai s'est pas enfui alors que j'ai vaincu Machao, c'est marrant ça. Décidé à combattre jusqu'à la mort, Madai? Très bien. Alors meurs. Ok. Je m'en fous de ce cheval. Je veux mon vrai cheval, moi. Ah, ah, ah.
Vas-y, relève-toi. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Bien. Ben, j'ai atteint l'une des portes du château de Baïdi. Autant dire que le château de Baïdi est en grand danger. C'est bientôt la fin pour toi, Liu Chan. Tu rejoindras ton père. Cao Pi a déjà rejoint le sien. C'est ton tour. Allez, on va rentrer dans ce château. Bien. Ok, attention aux balistes. Ah putain, baliste de cul. J'ai m'occupé de Jiang Wei. Les renforts de Ding Feng, excellent. Pauvre de toi, Jiang Wei. Bon, les balistes font un peu chier, il faut le dire. Il y a un officier là. Voilà Yue Ying. Ambitions left unfulfilled. Fear the tiger of Xiang Dong. Excuse me, you're not arriving. Nous aussi on a des renforts, ceux de Pan Zhang. Ma chère Yue Ying. Oh, mais elle était venue à moi en fait, je crois. Ouais, elle essaie de
On est en train de faire le tour là, d'essayer de se choper. Ouais, allez viens. Je vais pas rester à porter des balistes, hein, me prends pas pour un con. Wow. Joli ralentissement. Hey Xinkai, impératrice du show. Il est vrai que tu es la fille de Zhangfei. Du coup, tu es assez doué défensivement. Merde, mon gars, il a été éliminé. Legend. So this is to be my fate. Fear the tiger of Xiong Dong. Ok. La vie peut-être ? Bon, de toute façon, il reste que Liu Chan. Je vais vérifier la situation quand même. Oula, mon stick qui s'est enfoncé. Liu Chan tout seul. Très bien. Now, attack! How about this? Tu résistes bien, c'est bien. Pour un petit crapaud, c'est pas mal. Ha!
left unfulfilled. Nous avons gagné. Fear the tiger of Xiangdong. La guerre est enfin finie. Nous avons unifié le pays sous la bannière du Wu. We captured Bai Di Castle and killed Liu Chan as well, bringing an end to Shu and its dreams of a land of virtue. Perhaps it was too great of an ideal to be realized. What the people want is to live a life of peace, and the Kingdom of Wu shall be able to give that life to them. We must work hard to create a land that would not be ridiculed by Cao Cao or Liu Bei. Bien. C'est une grande victoire. A new bodyguard. This bodyguard is... Ce Leide. S, pas de problème. Très bien. Et bien, il ne vous reste plus qu'à profiter de la cinématique de fin. It was during the final days of the year 200 AD when the Han Dynasty saw its end. Its demise ushered in a new era of chaos, brought on by several regional lords vying to rule China. There were those who sought absolute power, as well as those who fought for justice, and some simply fought for the sake of their beliefs. Many would rise and fall in their attempts to dominate the land. Sun Jian, from the Wu territory. It is said he is a descendant of the legendary strategist Sun Tzu. Having fought many successful battles against pirates, his prowess earned him the nickname the Tiger of Jiangdong. He would become even more well known after defeating the Yellow Turbans. He was then asked to fight on the front lines during the campaign against Dong Zhuo. He successfully defeated Lu Bu and Hua Xiang at Si Shui Gate, paving the way towards Luo Yang. Dong Zhuo was defeated by the coalition, but several ambitious regional lords would try to claim the land as their own, and chaos ensued once again. Sun Jian, basing himself out of Wu, raised a massive force and embarked on his journey of conquest. During his battles, Sun Jian would witness the death of his eldest son, Sun Se. Despite this tragedy, he continued to fight. When Cao Cao began moving his forces south, Sun Jian allied with Liu Bei and won a decisive battle at Chi Bi. The land would come to be divided into the three kingdoms of Shu, Wei, and Wu. Although both Cao Cao and Liu Bei had passed on, their people tried to fulfill their ambitions by destroying Wu. Sun Jian would defeat them and win yet another victory for Wu. After consolidating the kingdom of Wu, Sun Jian had his son Sun Quan take over. After a long life dedicated to fighting, the time had finally come for Sun Jian to retire and enjoy the peace he had created. These tales, passed on for generations, have endured the tests of time and continue to fascinate their listeners even today. Et voilà, c'était l'histoire de Sun Jian. Donc, ouais, sans compter le mode légende, il y a eu 8 niveaux. Donc, ce qui vous donne un petit peu une idée de d'à combien d'épisodes vous attendre pour les autres personnages restants.
Nous avons fait un total de 5370 ennemis vaincus, pour un total de 65728 points, le tout en 154 minutes et 18 secondes. Lors de la révolte des turbans jaunes, nous avons vaincu 708 ennemis. À Sichui, 517. À la province Jing, 408. À Chibi, 1106. À Heifei, 516. À Yiling, 639. Au château de Heifei, 697. Et enfin à Baidi, 779. Je vous laisse profiter de la cinématique de fin. Finally, the land belongs to Wu. Quan, the rest is yours. The passion of youth will guide this new era. Tigers such as me must always search for chaos. C'est un peu dommage, ça aurait été intéressant que Sun Jian règne quand même. Mais bon, après, voilà, c'est. De toute façon, dans tous les cas, on n'aurait pas vu le règne, mais. Ne serait-ce que pour. Je sais pas. Satisfaire notre imagination. Bon, dans tous les cas, on est dans une unification du Wu. Sun Jian prend sa retraite. Je sais pas exactement ce qu'il va faire de sa vie. Mais c'est Sun Quan du coup qui dirigera l'empire du Wu. Donc finalement on en revient un petit peu à quelque chose d'à peu près équivalent à l'histoire de Sun Quan. Sauf que Sun Jian reste en vie quoi. Et il prend sa retraite. A noter qu'il doit être très vieux hein, en plus. Mais bon. Eh bien écoutez, c'était le dernier personnage du Wu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vais laisser du coup les crédits jusqu'au bout pour une fois. Je le ferai certainement pour les autres persos aussi. On se retrouve pour le personnage suivant.